分かったろ。君たちがゴールを割ることは 100% 不可能ということだな。Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo de fin de mois, comme toi-même tu sais, Dream Fest, voilà, 301 Dream Ball, on va très rapidement, on va pas trop tergiverser, etc. On va pas essayer de perdre du temps, on va juste regarder le perso, bien évidemment, donc Hernandez, donc c'est le quatrième gardien Dream Fest, deuxième gardien vert, extrêmement fort. Au début je voulais pas invoquer, mais comme j'ai pas de gardien vert, voilà, il me faut soit Salinas vert, soit le Waka, ou soit ce nouveau Hernandez, parce que j'ai pas de gardien vert à part le Müller vert S10 qu'ils nous avaient offert il y a pas longtemps là, je sais plus combien il y a de temps là, donc voilà, en tout cas assez stylé l'arrêt du Hernandez. Donc voilà, moi j'ai le Saint-Valentin, très bon, voilà, très, très sympa. Bon, après ça vaut pas le Dreamfest ou quoi, mais ça va, c'est un bon gardien rouge. Allez, il est là, il est vert. Ah oui, c'est vrai qu'elle s'anime, oui, j'avais oublié les nouvelles artwork, les nouvelles cartes qui s'animent et tout, ouais, ça nous rappelle notre enfance, les images. 1024 endurance, donc c'est un, par contre c'est un junior, c'est un Italy junior, donc c'est junior youth, donc c'est comme le Napoléon, c'était un junior avec le maillot, vous avez vu hein, c'est pas un world youth, c'est un junior. Ils sont un petit peu revenus un petit peu sur la chronologie de Tsubasa. Donc je disais 1024 d'endurance, bien. 19334 en parade, 9724 en coup de poing, très fort. Et en arrêt, il a 9610, donc très hybride, très très fort sur les deux aspects d'un gardien de but. Franchement, voilà, c'est fort, c'est très très fort. 6476 en rapidité, puissance 7176, c'est pas mal. 8309 en technicité, très très bon pour l'arrêt. Donc toi, franchement, si tu cherches un gardien européen, là, c'est lui qu'il te faut. Avant que le Müller arrive... c'est vraiment lui qu'il te faut, quoi. Voilà, c'est, cherche pas à comprendre comme mon ami Atsushi qui cherche, bah, qui joue Europe, lui all in dessus, quoi. Non mais franchement, all in dessus, il y a rien d'autre à faire. La gloire du record de match sans encaisser de but, d'accord. Alors lui il a un passif très intéressant. D'abord on va un peu, bon, le team ski, vous commencez à comprendre, enfin vous commencez à connaître. Les jabs, c'est 10% pour les jabs ou attaquant et gardien de but plus 10%. Donc là, c'est la même chose, sauf que c'est pour les Européens. Donc 10% pour les Européens ou gardien de but ou attaquant. Par contre, là où ça va être un peu très intéressant pour ce Hernandez, c'est que vous devez, si vous voulez avoir des chances de lui marquer un but, il va falloir tirer avec des balles hauts ou basses. Flottant, ça veut dire reprise ou reprise, ou enfin volée ou reprise, voilà. Donc il prend 12% si vous tirez normalement. Donc il est assez fort avec tous les team skills et tout et tout et tout et tout. Le LB, etc. Tu rajoutes encore 12% dans la gueule si tu tires normalement. Donc il va falloir mettre des reprises de volée ou des bicyclettes ou des têtes ou ce que tu veux. Donc l'idéal, ça serait un attaquant rouge déjà, avec une belle reprise, je sais pas, par exemple Napoléon Fest, j'ai une reprise, j'ai deux reprises, j'ai la haute et j'ai la basse, j'ai la haute S1 et j'ai la basse A50, donc tu la montes à 80, ça peut faire le taf. Donc l'arrêt peut monter jusqu'à 495, ça c'est pas mal, presque 500, défense ultime du gardien parfait. Et main droite, donc deux captes. Bizarre qu'il n'y a pas eu de punch. Donc le punch, j'en ai. Attention, il y a des punch. Je crois qu'il y a un punch farmable. B60, je crois, si je dis pas de bêtises. Il faudrait voir dans le shop. Bon, en tout cas, voilà. Enfin, dans les événements. Mais je crois qu'il y a un punch farmable. Donc voilà, non, franchement, très fort lui. Non, très, 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 très fort. Ça, voilà, rien à dire.
sur ce Hernandez-là. Le Naturezza premier Dreamfest éveille du potentiel. Donc, si, de toute façon, si tu as Naturezza, il faut absolument le faire l'éveil du potentiel. Ça lui donne une deuxième vie, quoi. Franchement, même en termes d'endurance, en termes de passif, si tu joues Sudam, pardon, si tu veux jouer contre les Japs, il prend 20% face aux Japs. Je crois qu'il donne, je sais plus combien, 10% face aux 10% pour les Sudam, je crois. Et plus d'autres compétences passives qui sont très très forts, comme si les full power prend 3%. Qu'est-ce qu'il a encore? Il prend 80% de temps de récupération. Ça veut dire que si tu as fait un dribble que tu as passé, il devient gris. Et ben il met 80% pour récupérer, pour qu'il puisse redevenir jouable. Plus d'autres compétences. Donc on débat, les amis, j'ai été coupé. Donc je disais, non, franchement, le Naturezza, franchement, super, super élevé du potentiel à faire absolument. Voilà, que tu joues Sudam ou pas Sudam, il faut le faire. Voilà, le joueur revient dans le game. Voilà. Allez, c'est parti. Donc on va faire un petit single sur le portail bleu avec le Lee. Franchement, très bon joueur. Hein. Très très bon joueur. Un joueur vraiment qui a été pensé pour la cup vitesse. Il prend 33% ou 35% face au vert. Face au bleu, pardon. Non. Ok. Richie là, comme d'habitude. Allez, 300 Dream Ball. Première multi, c'est parti. Bon, bah ça a rien donné, hein. Donc voilà, désolé, encore une petite coupure. Allez, deuxième multi. Mais c'est un peu son. Voilà. Encore rien du tout. C'est pas fameux, hein. J'ai entendu dire franchement que le Dreamfest était un petit peu nawak là, hein. Complètement nawak. Bon, c'est parti pour la troisième multi. Bon, ça la sent bon. Ok, SSR. Allez, au moins un des rate-up sauf Yuga. Ce serait bien. Ou un des gardiens. Non. Non, mais c'est pas possible. Je l'ai en doublon, bordel. Je l'ai en triplon. Je suis à combien de Dream Ball à 150? Même pas un rate up. Allez, c'est parti. De toute façon, je vais tout claquer mes Dream Ball. Tant pis, c'est pas grave. De toute façon. Ok, allez, encore un ZSR. Bon, ça sera un seul normalement. Oh, deux SSR! Wow, d'accord, ok. Allez, un des rate up sauf Yuga, s'il te plaît, ce serait sympa. Il n'y a que des joueurs avec des taux de drop, mais n'importe quoi. Passe du feu. Ouais, d'accord. Allez. Le dernier, ça serait bien. On claque pas tous nos Dream Ball, s'il te plaît. Bon, je l'avais pas. Je l'avais pas. Je le cherchais. Il y avait un moment où je le cherchais. Pas mauvais. Tire-tempête, déferlant. Ok. C'est pas vraiment ça qu'on cherchait, les amis, hein. C'est pas ça qu'on cherchait, hein. Ouais. Il me reste combien de dribbles? 100. Je crois que je vais m'arrêter là. Je crois peut-être que je vais m'arrêter là parce que. Qu'est-ce que je fais? Il y a un côté, je me dis, 100 dribbles, ça va vite, hein. Tu peux vite les récupérer, etc., etc. Bon, allez, je claque tout, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. N'importe quoi. Bon, on a tout rattrapé là. Allez. Encore les souvenirs bleus.
Bon, normalement, ça devrait être un seul. C'est un seul. Allez. Un de la bannière sauf Yuga, s'il te plaît. S'il te plaît. Pas Yuga. Un de la bannière, je suis content. Mais je l'ai en doublon. Non, mais il y a que... Non, mais... je l'ai au mix... je l'ai au mixeur pendant l'anniversaire. Non, mais sérieux. Non, mais sérieux, quoi. Non, mais sérieux. Non, mais c'est pas... Ça, franchement, ça devient pas marrant. Franchement, ça devient même pas marrant, en fait. Allez, je vais finir avec une... Voilà. Ok. Ok, j'ai que des... c'est ça, mais c'est que des... c'est que des doublons. Je drop que des joueurs avec des 0,0 et quelques, mais... Allez, c'est, franchement, si c'est le bon, on rattrape tout, là. Ah bah voilà! Ah bah voilà! Putain, mais fallait le chercher, bordel! Fallait au bout des Dream Ball! Putain, elle est belle, celle-là! Attends, que je te fasse une petite capture, toi. Voilà! Oh là 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 là! Eh ben voilà! Bon, on est content, on est content. Ça a tout rattrapé. Bon, j'ai des bons joueurs. Surtout le O-Rang, j'aime bien. Pour le banc, ça va être sympa. Puis j'ai un tacle pour lui, donc parfait. Eh ben voilà, bordel. Putain, il a fallu aller chercher. Bon, bah j'ai mon gardien vert. Par contre, j'ai zéro Dream Ball. Donc je suis content, on est content, on est content. Au début, c'était très très. Voilà, c'était pas terrible, mais maintenant, on a tout rattrapé. Ok, eh ben purée. Eh ben voilà, bah c'est bon. J'ai eu mon Hernandez, très content. Bon, ça se termine là. Hein. On va claquer les tickets violets, hein. On sait jamais, hein. Dans le grand des hasards. Sait-on jamais? Non. Non, non, non. Super. Merci pour les tickets violets de la mort. J'ai envie d'essayer les tickets conf parce que j'aimerais récupérer le Sakon. J'aimerais récupérer le Sakon pour l'élever du potentiel de comment il s'appelle de Naturezza. J'aimerais bien récupérer le Sakon. Bon, on va attendre ce que c'est. Il y a des bons joueurs en conf. Hein. Bon, il n'y aura qu'un seul et c'est sûr. On ne sait même pas si c'est un joueur ou un carnet, on ne sait pas encore. Ou un entraîneur. Et ben voilà, c'est un entraîneur. Ok, merci les tickets conf. Bon voilà les amis, donc c'est là-dessus qu'on va se terminer la vidéo. J'espère que ça vous aura quand même plu. On a eu le Hernandez, ça fait plaisir pour la team Europe. J'ai une bonne team Europe. Et pour ma team verte, enfin j'ai un gardien vert, ça fait plaisir. Et je vous souhaite à tous un bon pool, j'espère que vous allez dropper ce que vous voulez. J'aurais bien voulu avoir le Cruyffort, j'aurais pas craché dessus, ou sur le Ishizaki. Le Ishizaki, j'aurais kiffé de ouf l'avoir. On s'en sort avec le rate up, ça fait plaisir d'avoir enfin le joueur rate up direct, ça fait plaisir. Je vous souhaite bonne chance pour vos poules, je vous kiffe, portez-vous bien et à la prochaine pour d'autres vidéos sur Captain Tsubasa Dream Team. C'était Letko pour vous servir, à la prochaine, ciao.